My name is Davis Jones. I'm a social photographer photographing parties all over the world. And that's how I came to photograph Ghislaine Maxwell. I remember seeing her. And thinking to myself, like, who is that glamorous woman? It's almost like there's two different Gillen's. According to the victims, the real Gillen is this manipulative woman who has no feelings. This is the first picture I took of her at Oxford. I didn't know who she was and someone identified wrote her name on the back of the contact sheet so she would have been starting at oxford university around then if i was asked to describe her then i would say innocent beautiful privileged in oxford she wasn't part of the cool crowd they were the sort of rich crowd i don't really see her as a rule breaker necessarily like i see her as somebody who's very much trying to the mould of like the life she thought she was gonna have when she was a child. In family photos that they've never shared before, you can see a pretty idyllic life, including an expensive education, and all because of a difficult, brilliant billionaire, her dad, Robert Maxwell. Well, Robert Maxwell was one of the most important and powerful people in British public life in the 70s and 80s. He was a media tycoon. He owned a publishing house. He owned tabloids, various different companies. We've got to get the mirror newspapers on top, all the way. he made national news almost every day because of his extravagances and his pronouncements. Between Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell, was really a partnership on a sexual level and a financial level. It was a portrait of power and privilege: private jets, high society, exclusive parties with the future president, hobnobbing with heads of state, even royalty. I think we expect child predators to look like monsters, but really they are lurking among us. Now, nearly a year after his death. The gilded house of cards continues to fall. Today, we announce the arrest of one of the villains in this investigation. Ghislaine Maxwell finally stands charged for her role in these crimes. This is a day of reckoning. Today, Ghislaine Maxwell under arrest, the alleged madam and right hand of the disgraced financier who died by apparent suicide last August in a Manhattan jail while awaiting trial on charges of sex trafficking. There was little Jeffrey Epstein wouldn't do to satisfy his lust for young women and girls. He spent millions masterminding a worldwide sex trafficking operation. A year ago, he was arrested and a month after that, died in custody. Investigators, though, refused to let this scandal go to the grave with him. They shifted their attention to his high profile friends, among them Prince Andrew, who continues to dodge requests from the FBI for an interview. But now there's been a substantial breakthrough with the arrest of socialite Gillen Maxwell, accused of being Epstein's right hand woman. My report here, as a warning, has some flash photography gillen maxwell travelled on private planes between mansions on sprawling estates but inside these homes she and jeffrey epstein orchestrated a sex trafficking operation teenagers from fractured families singled out for sexual abuse and brought here they are now grown women who brought down gillen maxwell annie farmer is one of them she was abused by maxwell when she was 16 I glenn maxwell will be sentenced on tuesday for recruiting and grooming minors for her former partner the pedophile jeffrey epstein in december after a high-profile trial she was found guilty of five of the six counts against her including sex trafficking the daughter of the late disgraced british media tycoon robert maxwell now faces a maximum of 55 years in prison our new york correspondent nedita feig Spoke to Annie Farmer, the only victim to testify against Maxwell using her real name. The sense of knowing you have spoken your truth is a powerful feeling. Annie Farmer's distressing testimony helped secure Ghislaine Maxwell's sex trafficking conviction. On the stand, she recounted how Maxwell molested and groomed her for abuse by Jeffrey Epstein when she was 16 years old. Yes, C'est un verdict hein, qui était très attendu et donc un, un mois après le début du procès, euh, les 12 membres du jury ont fini par euh, trouver un verdict. Ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient en délibération et donc ils ont reconnu coupable l'ancienne compagne de Jeffrey euh, Epstein, euh, de cinq chefs d'accusation euh, sur six. Ils la, ils la reconnaissent coupable euh, d'avoir euh, recruté des jeunes filles, de les avoir amenées euh, à son ancien compagnon, d'avoir participé à un trafic sexuel pour le plaisir de l'ancien financier et d'avoir participé à, ces, à, ces, à ce trafic sexuel de jeunes filles. Cinq chefs d'accusation sur six reconnus coupables, ça veut dire que Gisèle Maxwell risque de passer sa vie en prison, des dizaines d'années en tout cas. Elle vient de fêter ses 60 ans, c'est à Noël, ses 60 ans en prison. Elle est emprisonnée depuis juillet 2020, le jour où le FBI l'avait retrouvée dans sa maison maison de New Hampshire et donc euh, Ghislaine Maxwell va rester pendant euh, plusieurs dizaines d'années. On ne sait pas encore, c'est le système américain, on ne sait pas encore exactement le nombre d'années euh, qui sera, qui sera euh, euh, annoncé euh, pour euh, sa peine de prison. Voilà, je cherchais le mot, on ne sait pas encore sa peine de prison, ça se passe en deux temps dans le système américain, mais en tout cas, elle est reconnue coupable. Il faut noter que les membres du jury euh, ont été un petit peu pressés de trouver un verdict euh, le, en raison de l'Omicron. De, les, de la pandémie, euh, il y avait des risques que euh, les membres du jury eh bien, soient eux aussi contaminés. Euh, à New York, c'est euh, une contamination euh, fulgurante. La propagation du, du virus euh, Omicron est tellement fulgurante euh, qu'il euh, était demandé aux membres du jury ben, de, de chercher au plus vite un verdict dans ce procès. Et hey, bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdi. Bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 9 décembre 2023. Euh, partie 21, Une Nation Sous-Emprise. On est rendu au volume 2 de Whitney Webb, l'union sordide entre les agences de renseignement et le crime organisé qui ont mené à l'ascension de Jeffrey Epstein. Alors aujourd'hui, le chapitre 15, Ghislaine Maxwell, l'espionne héritière, la fille à papa. On va voir comment euh, elle a été formée. Pour devenir l'héritière espionne. Les autres enfants de Robert Maxwell, on, il faut en parler parce qu'ils vont revenir vers la fin du livre, parce qu'ils sont encore vivants, puis ils sont encore des opérateurs sur le terrain. Euh, L'histoire de Robert Maxwell qui descend sur New York dans les années 90. Euh, comment courtiser l'État profond et la famille Kennedy avec euh, les Maxwell? La mort de Robert Maxwell, revisité du point de vue de euh, Giselaine Maxwell, sa fille, sa préférée, il faut le dire. Euh, L'arrivée de Jeffrey Epstein dans le décor et les débuts, on peut dire, on peut déterminer hors de tout doute raisonnable l'année exacte du début de l'opération d'influence. Trafic humain, chantage sexuel sur des politiciens, développé, opéré par Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell et leurs collègues. Donc, ça va tout être un, est un petit podcast, mais c'est quand même un, un podcast intéressant parce que c'est le dernier qui développe l'historique des collègues de Jeffrey Epstein. Je vais profiter de ce moment pour remercier les patriciens Raissa Doucet et Marcel Lorrain et c'était qui l'autre? C'est Jacques Cloutier, abonnement Jacques Cloutier, 25 dollars par mois, merci beaucoup. Donc, si vous ne savez pas, il y a le... Euh, Téléthon mardi, donc il y avait pas de réinformation, donc je me suis dit je vais partager mon euh, mon podcast de recension sur Luxmedia à la place. Et si vous, si tout le monde ensemble sur YouTube, sur ianrejdi.com, sur luxmedia.info, on dépasse 100 dollars de dons et vous pouvez l'envoyer à André le don, hein? je, pas obligé de l'envoyer directement à moi. Vous l'envoyer à André. C'est pour André. C'est pour le studio. Je vais le compter là-dedans. Donc, si on dépasse 100$ de Super Chat et de dons durant l'émission, je vous fais une revue de l'année mardi à réinformation. Euh, donc, ça, c'est un deal. C'est un deal en or. C'est pour, pour fêter la, euh, la fin de la deuxième année tot complète que j'ai faite chez Lux Media. Donc, euh, euh, Alright. Là, on est rendu à ouvrir mon petit carnet de notes. Donc, chapitre 15. Ghislaine Maxwell, héritière d'un empire d'espionnage. Donc euh, euh, le livre se, se sépare en deux livres. Donc, euh, le livre était trop gros, c'est euh, au-dessus de 1000, euh, 1200 pages avec les, euh, les appendices, les. les. les, euh, les, euh, les notes. Euh, les, euh, elle a photographié des. Elle a des photos, il y a des photographies de documents top secrets euh, pour confirmer euh, toutes les allégations qu'a fait Whitney Webb. Et euh, tout ça ensemble, ça fait au-dessus de 1200 pages. Donc elle, elle assez ça en deux livres. Le premier volume, c'est l'histoire de euh, ceux qui ont commencé à développer l'état profond pour prendre le pouvoir. Finalement, après une guerre civile, il y a eu une guerre civile clandestine secrète entre les agences de renseignement et une série d'administrations républicaines ou démocrates. Donc, de JFK jusqu'à Jimmy Carter, il y a eu une guerre secrète. La CIA et les oligarques européens ont gagné, ils se sont alliés avec les oligarques nord-américains, ils ont gagné, Reagan c'est le symbole de ça, Reagan n'était pas le vrai président, le vrai président c'était le directeur de la CIA, de, euh, William Bill Casey, ensuite de ça, euh, eux se sont aussi alliés avec la, euh, les, les oligarques te, du, du Texas, donc à la tête l'opérateur George H.W. Euh, Bush, euh, Bush senior, et euh, ensuite de ça, donc il y a eu une passation de pouvoir dans les années 80-90 avec la gang à hein, Clinton, Bush fils, les deux et les frères, tout ça, et euh, Jeffrey Epstein. Donc, le deuxième volume, le volume en jaune, qu'on est en train de développer, c'est l'histoire de cette troisième génération d'espions. C'est rendu là. 80-90, c'est le recrutement de la troisième génération d'espions, d'opérateurs, de assets, tous ensemble, qui ont euh, pris la relève des vieux loups du renseignement. Euh, et la quatrième génération, ceux-là, ils l'ont recruté dans les années 2000-2010. Ça, c'est la gang qui nous gouverne présentement, les incapables. Euh, donc, l'opération Jeffrey Epstein, on a vu Jeffrey Epstein, on a vu euh, ses alliés de l'immobilier de Chicago, les Gouletta. Euh, ensuite de ça, on a vu deux chapitres pour Leslie Wexner de Victoria's Secret. Et là, on est rendu à Ghislaine Maxwell, son bras droit. C'était avec Ghislaine Maxwell que Jeffrey Epstein recrutait beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Euh, jeunes adolescentes. Donc, euh, chapitre 15.1, Daddy's Girl. Euh, J'avais d'autres choses à, à associer. Oui, troisième génération, l'opération Epstein. On a vu la semaine passée que euh, le but de l'opération d'influence de trafic sexuel de Jeffrey Epstein, c'était de fournir ses esclaves sexuels à un président en particulier, euh, le président Bill Clinton, parce que les le Mossad, les Israéliens, les Sionistes révisionnistes avaient peur que Bill Clinton refasse un Jimmy Carter, Jimmy Carter qui avait accepté l'aide, l'argent, l'influence, la corruption des Israéliens, des, des sionistes, et qui avait, ensuite de ça, euh, commencé à faire... Euh, Très peur avec ses positions anti Israël euh, que, que les Israéliens vont dire. Euh, donc euh, euh, après le fiasco Jimmy Carter, les euh, le Mossad a décidé d'infiltrer activement et de désorganiser activement ce que moi j'appelle personnellement la méga corporation United States of America euh, pour reféodaliser la chrétienté. Euh, et faire passer la pilule. On, il y a par exemple la, la Bible réécrite qui fait parler de l'enlèvement de l'Église, le rapture. Euh, ça, c'est une manière, un psy up pour euh, manipuler les chrétiens. C'est des sionistes qui ont réécrit cette Bible. Là, je pense que c'est la Bible Scofield. Ça se peut-tu? Euh, ensuite de ça, tu as euh, autre euh, exemple pour manipuler les néoconservateurs et évangélistes. C'est le Project for a New American Century, dont j'ai aussi parlé la semaine passée. C'est drôle, hein, parce que les gens qui ont fait passer cette pilule-là, euh, qui, ont, qui ont mis de l'avant cette infiltration et ces psy là c'est la gang à Benjamin Netanyahu qui sont encore au pouvoir. Euh, donc, c'est pour aligner les, la politique américaine, la politique évangélique. La politique chrétienne sur l'État sioniste israélien euh, révisionniste hein, en passant. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est contre cet agenda-là, qu'on est contre tous les sionistes. Euh, S'ils veulent se défendre, faire la guerre, euh, oui, ok, mais, moi, mais je ne veux pas qu'il y ait des Américains qui se fassent sauter sur des mines, surtout pas moi ou mes enfants. Euh, et c'est ça, c'est Netanyahu ses alliés et ses alliés actuels qui euh, sont les plus... Euh, Réactif et euh, extrême pour, par exemple, faire proposer le génocide palestinien. Donc, chapitre 15.1 d'Addy's Girl. Quand euh, la, la, la jeunesse de euh, Ghislaine Maxwell se passe en Angleterre, elle est une socialite qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu euh, elle voit du monde très important. Donc, euh, avec l'éditeur, la compagnie d'édition de euh, son père Robert, Ma Robert Maxwell, ainsi que ses connexions politiques à son père, elle a accès à du monde très puissant. Donc, euh, très jeune, tu le vois, elle a compris comment que ça marchait. Elle a, eu, elle a eu, dès sa jeunesse, dès son adolescence, accès aux riches et aux plus, aux plus puissants. Euh, c'est l'enfant favori de Robert Maxwell, mais, mais il y a un gros mais, elle a été très négligée de l'état de euh, trottineuse. Donc, 1-3 euh, ans. Euh, Peut-être un petit peu plus jeune, en, un petit peu plus vieille aussi. Peut-être, on va dire 1 à 4-5 ans. Elle a été très négligée. Euh, ça explique bien des affaires. Parce que, Suivant son, ex son anniversaire, quelques jours plus tard, le, euh, son frère le plus vieux, l'aîné de la famille, a, euh, est mort dans un accident d'auto. Et euh, donc, ça l'a traumatisé la famille, ce qui veut dire qu'à chaque année, à son anniversaire, elle ne elle, elle, elle recevait pas beaucoup d'attention. Et ça, ça, ça a un impact. Il euh, y a des. Euh, il y a des, pas des allégations, mais des témoignages de la famille qui expliquent que euh, elle aurait déclaré à sa mère, Betty Maxwell, euh, Mommy, I exist. M euh, Maman, j'existe. À, à trois ans, elle aurait dit ça pour avoir un peu d'attention. Euh, elle a eu, euh, donc euh, vécu comme jeune enfant. Vers, entre 1 euh, et 3 ans, elle a eu, elle a eu de l'anorexie la, à ce point-là. Donc, c'est beaucoup de négligence hein, pour qu'un bébé, développe de la, un, un jeune enfant, développe de, de l'anorexie. Euh, et pour ajouter à tous ces euh, problèmes, elle euh, et ses frères recevaient des euh, séances de matraquage par leur père, donc euh, des beatings. Il y a une Ghislaine de 9 ans qui a euh, alléguément euh, dit à l'auteur Eleanor Berry, une, euh, une amie et confidente euh, de, son, de son père. Donc Ghislaine aurait dit ça. Daddy has a series of things lined up in a row. There's a riding crop with a, a swish to it, another straight riding crop. And few show horns. He always asked me to choose which one I want. Donc, euh, dans un, un petit, euh, j'imagine un placard, il avait une série de cravaches et euh, de, de shoe horns. Euh, je ne sais pas c'est quoi un shoe horns. Euh, et il, euh, il me demandait qu'est-ce que je voulais euh, choisir pour. Euh, ma séance de torture familiale. Euh, donc, ça, c'est euh, une enfance qui développe euh, soit des psychopathes, euh, ça, tu, qui fragmentent, ça, leur ils font de, de la comparti compartimentalisation, ou bien ça fait le syndrome, ça fait ça souvent chez les femmes, le, le syndrome de victime bourreau. Donc, ça, c'est quelqu'un qui euh, va vouloir faire plaisir. À son bourreau. Euh, donc, euh, son père et ensuite de ça, Jeffrey Epstein plus tard. Robert Maxwell contrôlait donc euh, la vie amoureuse de sa fille adolescente. Euh, il ne faisait pas pour ses autres enfants, il faisait juste pour euh, Ghislaine en particulier. Euh, donc, elle a euh, il y a trois sœurs dans la famille. Il y a deux, euh, deux sœurs jumelles et il y a Ghislaine. Euh, il y a aussi deux frères et euh, Michael Maxwell, qui est, euh, est l'aîné le, le, qui est mort dans un accident d'auto. Euh, donc, il, euh, Robert Maxwell contrôlait seulement la vie amoureuse de sa fille euh, préférée, Ghislaine. Euh, il utilisait sa fille pour, euh, pour se faire des chums euh, dans certains milieux, euh, dans certaines familles de l'aristocratie, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Il utilisait le sex-appeal de sa fille pour, euh, dans les médias, dans ses médias à lui. Robert Maxwell euh, lui a donc aligné des emplois dans ses médias de son empire après qu'elle ait euh, fini son diplôme à l'université d'Oxford. Exemple, euh, à 22 ans, elle devient directrice euh, du British Football Club. Football Club de euh, Oxford United avec son frère Kevin. Euh, Robert, son, leur père détenait des actions et était chairman en 82. Euh, ensuite de ça, elle a un emploi à, à Pergamon Press, euh, l'éditeur de Robert Maxwell, euh, propriété de Robert Maxwell. Euh, elle a aussi travaillé chez euh, le groupe, le Mirror Group, euh, l'Empire médiatique. Euh, exemple, en 1985, de comment son père utilisait sa sexualité pour jusqu'à euh, euh, vend faire vendre des, euh, des, 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 de son empire médiatique et l'utiliser dans des opérations d'influence. En 85, Robert Maxwell fait publier dans son empire médiatique que quelqu'un veut le faire chanter. Allege Blackmail. Donc, il y aurait tentative de chantage contre Maxwell. Euh, et là, il publie lui-même l'histoire du chantage. Et c'est quoi l'histoire du chantage? Quelqu'un voulait le faire, lui faire pression parce que Ghislaine, sa fille, sortait avec le duc Duke, Duke of Rutland, euh, futur... Euh, le futur duc of Rutland, David Manners. Euh, et la tentative de chantage par un député anglais, Harvey Proctor. Très important, tellement qu'il va falloir que j'aille chercher. La première citation du livre, page 145. Un membre du, du Parlement conservateur, Harvey Proctor. Euh, en 87. Harvey Proctor va plaider coupable à, in, à une accusation d'indécence sexuelle envers deux jeunes hommes, un de 16 ans et un de 19 ans. Plusieurs témoins euh, qui ont passé en entrevue durant l'enquête en, décrit le décrit comme ayant euh, un intérêt sexuel envers les jeunes hommes. Très intéressant. Plus tard, un, un dossier de cours controversé voit Proctor, Harvey Proctor, accusé euh, d'avoir été impliqué avec un pédophile britannique très, euh, très bien connecté et procureur du... Euh, C'est celui qui, euh, qui obtenait les enfants. Pour l'autre pédophile connu, Jimmy Saville, en plus d'être de faire partie d'un ring d'abus de, euh, d'enfants mineurs, qui, euh, qui devrait inclure euh, en plus de Jimmy Saville, un ancien premier ministre anglais qui s'appelle Ted Heath. Bien sûr. Les journaux de euh, Maxwell ont couvert euh, ses efforts pour allégement allé, euh, tenter de ch faire chanter Robert Maxwell, mais n'ont jamais mentionné les euh, petits garçons dans l'histoire euh, en lien avec euh, Harvey Proctor, Jimmy Saville et un ancien premier ministre qui s'appelle Ted Heath. Euh, les médias, quand ils ont parlé de Proctor, ils ont expliqué que c'était seulement un, un, un fan de euh, de spanking et qui était très wacky. Hein? Il, était, il était un petit peu fou. Donc, euh, au lieu de, de décrire que, euh, que euh, l'accusateur de Robert Maxwell était un petit pédophile très intéressant, euh, très bien connecté, donc euh, ça fait réfléchir à, à comment, à, à quel point les médias ont camouflé ces histoires de pédocriminalité-là euh, pendant longtemps, pendant des décennies. Donc, euh, euh, ensuite de ça, toujours en 85, Ghislaine Maxwell participe à un réseau de philanthropie de la gang à son père. Donc, euh, euh, ça, c'est très intéressant. Elle, est, euh, elle et son père sont les autres. Ils font un hosting. Un, le euh, Disney Day Out for Kids. Vous avez bien entendu un partenariat avec Disney, euh, une journée euh, à l'extérieur avec les enfants. Euh, Benefit dinner on behalf of Mirror Group for the Save the Children NGO. Donc c'est pour lever des fonds un dîner spécial en le, de la part du groupe Mirror de, de l'empire médiatique de Robert Maxwell pour l'organisation non gouvernementale sauver les enfants euh, moi ça me fait Hee! quand j'ai lu ça j'étais comme tabarno, ça part off. Euh, donc euh, c'était où ce euh, cet événement spécial au domicile du marquis et de la marquise euh, Lady de Bath, euh, la ville de Bath. Donc, avec les membres de la famille royale, avec la marquise et le marquis de Bath, euh, la marquise de Bath, à l'époque, qui était euh, la plus grande collectionneuse des peintures faites par Adolf Hitler. Et là, euh, je suis littéralement tombé en bas de ma chaise en lisant euh, cette anecdote-là. Le même soir où il y a eu ce, euh, ce souper en l'honneur pour sauver les enfants, le fils de la marquise a été retrouvé pendu dans sa chambre. Euh, après la, la poutre euh, centrale. Euh, et ça a été étiqueté évidemment un, un suicide. Là, j'ai fait comme. Ok, ça, ça part eh, directement de même. Main. Euh, donc, euh, maintenant, on est rendu à Ghislaine l'espionne. Parce que qu'il faut, faut comprendre. Là. Quand Robert a décidé de la groomer, le but, donc, c'était qu'elle euh, qui, 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 qui continue son empire. Donc, il l'a groomé pour devenir la boss, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est plus Jeffrey Epstein qui est devenu le boss. Euh, et, mais euh, ça veut dire qu'elle a eu une formation d'un espion, d'un maître espion. Son père, c'est un maître espion, donc il l'a formé comme maître espion. Donc, c'est une espionne. Euh, selon l'ancien espion israélien Harry Ben Menaché, euh, l'espion qui a, a aidé à révéler certaines parties de, du scandale promise. Chapitre 9. Euh, Ghislaine Maxwell accompagnait son père dans plusieurs voyages en lien avec le Mossad. Il refuse de préciser quelles opérations parce que ça le mettrait en danger euh, de révéler trop de détails. Déjà qu'il a probablement porté toute sa vie en danger. 86. Euh, Ghislaine Maxwell. A, euh, est en couple avec un aristocrate italien qui s'appelle le comte Gianfranco Cigogna, membre des Chevaliers de l'Ordre de Malte, société secrète dont j'ai déjà parlé. Euh, euh, son grand-père a été le ministre des Finances de Mussolini et euh, le dernier doge de Venise. Le doge, le doge c'est... Euh, euh, genre l'équivalent du maire, genre euh, dictateur de la ville. Là. Il est très puissant. Euh, donc, euh, j'ai donné un nom très important. Donc, euh, Ghislaine Maxwell était en couple publiquement avec un aristocrate italien qui s'appelle le comte Gianfranc Gianfranco Cigonia. Et là, lui, il est connecté à bien du monde. Allons voir à qui. Gianfranco Cigonia. Partenaire d'affaires en Afrique du Sud avec Luca Giussani. Euh, J'ai parlé d'Afrique du Sud et d'agence de renseignement au chapitre 3 en lien avec ce réseau-là. Ok. Euh, Gianfranco Sigonia, sa mère a, mat a marié le patriarche de la famille Mavroleone. Toujours chapitre 3. Euh, le père s'appelle Basil Blouet Mavroléon. Donc, Sigonia Mavroléon. Ça, c'est une famille oligarque. Euh, je pense que c'est italien. Je ne suis pas certain à 100%. Et euh, Basil Blouet Mavroléon, lui, a fondé la compagnie London and Overseas. Qui est une famille... De, euh, une, une entreprise de transport maritime très puissante, fondée avec la, les cousins de la famille Mavroleone. Je pense que c'est des Grecs, en fait. Euh, euh, donc, les Mavroleone et leurs cousins. Donc, il y a eu intermariage entre les deux familles. La famille oligarque Kouloukundi. Donc, euh, ça, c'est London and Overseas. Le fils de Basil Bluey Mavroleon, Nicolas Mavroleon, a son nom dans le petit carnet noir de Jeffrey Epstein avec son père, euh, Basil Bluey Mavroleon. Les Kouloukundi, l'autre côté de la famille des transporteurs grecs, euh, liés à Bruce Rappaport. Ça, c'est un des euh, frontmen euh, banquiers de la CIA du Mossad. Bruce Rappaport qui est aussi lié à Semyon Mogilevich, un oligarque russo-ukrainien euh, lié à Robert Maxwell. Donc là, on, a, on vient de tout lier, tout lier les, les plusieurs réseaux ensemble à partir de euh, ce compte italien. Donc de 1986 à 1990, Ghislaine et Gianfranco Cegogna sont ensemble officiellement. Vers la fin de la relation, Ghislaine Maxwell fonde le Kit Kat Club. Euh, c'est un gros hit international. J'ai cherché sur euh, YouTube, il y a encore des parties Kit Kat Club et c'est devenu littéralement sataniste comme euh, iconographie qui est utilisée dans les parties. Euh, donc gothique, des masques euh, noir-rouge. Euh, euh, les couleurs euh, euh, très sexuelles euh, donc le Kit Kat Club c'est un club social développé par Ghislaine Maxwell et c'est ça a fait un hit euh, quand elle a fait ça dans les années 80-90 page 147 un article du Sydney Morning Herald décrit euh, le euh, Kit Kat Club de Ghislaine Maxwell comme un salon Held in a variety of locations designed to bring together women from the hearts, politics and society. Oh! Ça ne fait pas penser à bien des affaires, ça? Euh, donc, euh, un, un salon tenu dans plusieurs lo le, locations, le, plusieurs endroits designés pour euh, amener ensemble des femmes importantes des arts, de la politique et de la société. Ah! L'article euh, va citer des gens qui sont présents comme l'auteur Anna Pasternak qui dit It was bright, wealthy and society women. Nowadays it seems quite normal to be going to a meeting just for women, but thirty years ago it seemed exciting. Donc euh, un endroit rempli de jeunes femmes exceptionnelles. Donc un terrain de chasse parfait pour Jeffrey Epstein. Euh, le Kit Kat Club euh, malgré à être décrit blablabla pour un, un, un All-Female Debating Society. Donc euh, on, fait, on, on y faisait des petits débats entre femmes. Et un groupe euh, qu'on décrivait comme euh, Men to Help in Commerce and Industry. Aider les femmes dans le commerce et dans l'industrie. Euh, il y avait des. Il y avait toujours quelqu'un de très présent euh, dans cet entourage-là. Euh, il s'appelle Jeffrey Archer. Jeffrey Archer, c'est un ancien euh, député Tory, conservateur, euh, devenu euh, auteur, qui a été accusé de fraude financière à plusieurs occasions. Et a aussi était en prison par jour. Euh, et c'était un autre associé de Harvey Proctor, dont j'ai parlé plus tôt, euh, le, le monsieur qui aidait les petits garçons. Il a personnellement aidé à financer la business à Harvey Proctor, euh, euh, Jeffrey Archer, qui était très présent au Kit Kat Club de Jocelyn Maxwell. Dans un article de 1996 publié par le Daily News, Archer a dit que euh, son expérience au Kit Kat Club, "I had the time of my life surrounded by women under 40. I had orgasm after orgasm just talking to them." Le gars, il dit précisément pourquoi il va là. Donc, il, il explique que juste en en, en étant au, Concentré dans, dans, dans un endroit concentré de femmes en tout de 40 ans. il y avait un orgasme après orgasme à jaser avec ces, ces jeunes femmes là exceptionnelles. Euh, on a des images de ça 2004. D'autres personnes présentes incluant Stanley et Rachel Johnson, le père et la euh, sœur du euh, de l'ancien Premier ministre Boris Johnson dans le même Kit Kat Club de 2004. Il y avait aussi un autre député qui s'appelle Jonathan Aitken, aussi du Parti conservateur, qui est allé en prison pour parjure et euh, connu pour avoir des associations avec la royauté saoudienne, euh, ancien euh, opérateur travaillant pour Rupert Murdoch. Non, ça c'est un autre. Un, un, un ancien opérateur de Rupert Murdoch qui s'appelle Andrew Neal. Et aussi dans le Kit Kat Club de 2004, Anton Mosiman, euh... ah, le chef de, de la royauté anglaise. Donc, c'est un chef cuisinier pour euh, la famille euh, de, euh, de euh, royauté anglaise. There has since been speculation that Disneyland Kit Kat Club is where Donald Trump met his future wife Melania. Donc, euh, plusieurs médias font, font allégation que euh, Donald Trump aurait rencontré sa femme au Kit Kat Club. Le Kit Kat Club, ça semble être donc un, un, le prototype de l'agence d'escorte euh, que. Jeffrey Epstein va, va développer plus tard avec ses agences de, de modèles. Euh, donc, on va en parler au chapitre 16 ou 17 là, dans ce coin-ci. Euh, donc, c'est très intéressant que, euh, dans le fond, à, à, avant que Jeffrey Epstein arrive dans le décor, Robert Maxwell, avec sa fille, était déjà dans, dans des opérations que Jeffrey Epstein va, va développer. Donc, il euh, il savait comment que ça fonctionnait. Après la rupture avec Gianfranco Tigogna, le comte italien, Ghislaine Maxwell va, euh, va être vue dans un euh, ski resort à Aspen au Colorado avec un acteur intéressant qui s'appelle George Hamilton. Pourquoi intéressant? Parce que George Hamilton a été un prêtre-nom pour la famille oligarque philippin. Les Marcos, euh, donc euh, Ferdinand Marcos a été dictateur, sa femme Imelda, a, en, eux ensemble ont fraudé l'État philippin, ils ont euh, sorti, volé leur État, sorti la, fait sortir l'argent du pays pour s'acheter des choses à l'extérieur. Il y a eu un procès pour... Illegal Financial Schemes, donc la fraude. Euh, la fraude a été accomplie donc avec l'aide de l'acteur George Hamilton, avec l'aide de la CIA, parce que la CIA a permis aux au Marcos de rester au pouvoir et de prendre le pouvoir. La fraude a été faite avec l'aide de Adnan Khashoggi. Intéressant. Euh, et. Il y a d'autres gens qui sont liés avec euh, tout ce beau monde-là. Donc, euh, euh, ok, j'ai de la misère à me retrouver dans mes notes. Donc, euh, euh, ouais, ok. Il y a un comité euh, quand il va y avoir eu donc, cette histoire de fraude par les oligarques philippins et les Marcos. Le Congrès américain puisque les États-Unis sont très présents aux Philippines depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, le Congrès a donc décidé d'ouvrir une enquête. Donc, il y a eu un, un comité du Congrès pour trancher si les Marcos avaient volé ou, ou non l'argent. Qui, le Congrès, a nominé pour enquêter la firme Crawl ⁇ Crawl Associates, qui est ce qu'on appelle la CIA de Wall Street. Donc, c'est l'équivalent de, de demander à la CIA d'enquêter sur le, le Wall Street Center. Euh, donc, l'enquêteur de chez Crawl and ⁇ Crawls and Associates, c'est Jules, Jules Crawl, qui est, donc, c'est la CIA de Wall Street, Crawls and Crawls Associates, c'est la firme spécialisée dans les cover up de l'état profond à travers le livre. Donc, c'est eux qui ont cover-up l'histoire de, euh, de Bruce Ritter, l'histoire de Michael Milken l'histoire de euh, la famille Marcos et la fraude de Adnan Khashoggi. Ça, c'est des noms que j'ai mentionnés à travers le livre. Donc, euh, ils étaient très forts là-dedans. Crawl and Crawl and Associates, qui est lié à Thomas Corbally, chapitre 4. Donc, quatrième podcast, littéralement, depuis le début du livre, cette firme-là est mentionnée pour les cover-up qu'ils font. Et évidemment, pour rajouter un petit soupçon euh, pimenté, Crawl and ⁇ Crawls and Associates va être embauché par Robert Maxwell juste avant sa mort pour enquêter sur un complot envers lui-même. En 1990, Ghislaine Maxwell embauchée, euh, est embauché dans un autre média papa, le journal The European, lancé la même année. A website recently set up by Ghislaine Sibling. Donc ça c'est un, un. Au moment de l'écriture du livre, 2022. Euh, en 2020 et 2022, il y a un, un site web qui a été lancé par la, euh, les, les parents. Donc probablement les sœurs et, et ou les frères de Ghislaine. Après son arrestation du juillet 2020, euh, ils vont lancer ce site web-là. Et qu'est-ce qu'ils expliquent, c'est que. Euh, dans le magazine The European, son, sa mission, c'était de développer et de créer des opportunités de euh, advertising dans le journal, dans le supplément du journal, euh, donc euh, avec ses connexions dans, euh, dans le jet set probablement anglais, un petit peu américain. À, à cette époque-là, elle essayait de percer dans, dans l'aristocratie américaine. Donc, le but, c'était de lui donner ce job-là, puis de se faire prendre en photo pour le supplément du dimanche là, ou du samedi, peu importe. Donc, euh, 90, elle déménage après sa rupture avec le comte italien aux États-Unis, juste avant que son père arrive sur New York. Chapitre 15.2, Robert Maxwell descend sur New York. Fin 1980, l'empire euh, médiatique de Robert Maxwell ne va pas super bien. Donc il y a une grosse rivalité avec euh, un autre baron des médias qui a été financé par la CIA, euh, Rupert Murdoch de l'Empire Fox. Euh, malgré tout, même si ça ne va pas bien pour euh, Robert Maxwell, puisqu'il euh, y a des commissions pour vente d'armes, puis il fraude l'argent de, 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 du gouvernement, il est capable de... Euh, il est capable de très facilement... Euh, continuer ses achats de médias. Il achète Macmillan et Incorporated. Euh, son tacticien en chef pour le takeover s'appelle Robert Peary. Robert Peary, vous, vous, le, si vous êtes un complotiste, peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est euh, à l'époque, dans les années 80, le gars qui était l'opérateur. De la gestion de la fortune de Rothschild Incorporated, la famille oligarque mondiale Rothschild. Donc, avec les Rothschild, Mac Maxwell infiltre l'Amérique du Nord, en particulier Wall Street. C'est ça le but de l'opération. Page 150-151. Les intérêts des Rothschild étaient d'avoir un, un pied d'entrée à Wall Street et euh, ils ont été évidemment plus que motivés par pas juste motivés par l'argent. Selon le Times. Although the family staked valuable claims in Africa, the Middle East and South America, they grossly misjudged the opportunities directly across the Atlantic. and in the United States, it quotes, Evelyn de Rothschild as saying we've been in business for 200 years but we never seized the initiative in America and that was one of the mistakes my family made. Donc le Times qui rapporte que euh, malgré le fait que les Rothschilds étaient très présents en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique euh, du Sud, ils ont manqué l'opportunité directement à l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Et euh, le Times va citer Evelyn de Rothschild. Elle dit précisément, on a été en business pendant 200 ans et nous n'avons jamais saisi l'initiative aux États-Unis. C'est une, une, une erreur que nous avons faite. Donc, euh, à travers les deux guerres mondiales, après les deux guerres mondiales, ils ont réussi finalement, après plusieurs décennies de guerre civile clandestine aux États-Unis et ils ont réussi à mettre euh, un pied dans la porte à New York avec l'aide euh, des réseaux qui vont entretenir Robert Maxwell plus tard. En 1981, les, euh, les, euh, les Français et les, euh, les Britanniques, euh, qui sont tous les deux de la famille Rothschild, sont des cousins déterminent de rectifier cette erreur et vont donc euh, appointer, vont nominer un agent qui s'appelle Robert Pirie pour aller s'implanter à New York. Euh, sa mission, c'est Building a Powerful Investment Bank that will help the family reassert its dominant role in, in international finance. Donc, euh, créer une banque d'investissement très puissante pour... Redonner à la famille Rothschild un rôle prédominant euh, dans la finance internationale. Pour accomplir cette opération, Robert Parry s'est allié à d'autres prédateurs étrangers, notamment euh, britanniques, euh, comme James Goldsmith, déjà mentionné. Euh, donc, ça, c'est le cousin britannique des Rothschild, euh, un membre euh, du Clermont Club, ça, James Goldsmith, un raider corporatiste et évidemment associé de Robert Maxwell. Autre euh, opérateur allié au Rothschild, Sir Gordon White, un ami de Robert Maxwell, originellement correcté, connecté lui aussi de manière indépendante à, aux entreprises Rothschild Incorporated. Euh, James Goldsmith a des liens avec Jeffrey Epstein euh, avant même que Jeffrey Epstein connaisse Robert Maxwell des années 70. J'en ai parlé au chapitre 11. Le New York Times va aussi euh, dire quelque chose d'intéressant. « No other family in the annals of finance can match the Rothschild record for influencing the course of history or its Machiavellian instincts for economic opportunities. » Donc, le New York Times, à l'époque, faisait du journaliste et il explique que, oui, les Rothschilds, c'est des banquiers très puissants sur la planète. Euh, The banking entity looking to help the Rothschild fami uh, family reassert its dominant role in international finance, in example, Rothschild Incorporated, was directly uh, directing Robert Maxwell's effort to establish a strategic presence in the United States via a takeover of a major US based publishing company. This intimate relationship between Rothschild Bank. And Robert Maxwell would again become become evident as N.M. Rothschild was the group cr uh, called in to investigate his books and arrange the sales of his heirs' fifty-four percent stake in Mirror Group newspaper after Robert Maxwell' 90, uh, 1991's death. Donc après la mort de, uh, de Robert Maxwell. L'entreprise des Rothschild va être utilisée pour euh, enquêter, euh, faire l'audit des livres euh, de, de Maxwell. Il va y avoir de, des relations intimes entre les banques des Rothschild et euh, Robert Maxwell. Les Rothschild vont utiliser euh, la tête de pont, les entreprises à New York que Robert Maxwell aussi va, euh, va euh, utiliser comme client. Euh, donc, euh, il y a euh, une alliance de circonstances entre les intérêts des Rothschild et Robert Maxwell, début 90, fin 80, on va, dire, on va découvrir pourquoi d'ici la fin du podcast, pour payer la compagnie Macmillan Incorporated, parce qu'on on, on parlait d'un takeover, hein, pour revenir à l'histoire, on parlait du takeover, takeover qui a été fait avec une compagnie, avec l'aide des rochers pour le takeover. Donc, euh, Maxwell va aller chercher de l'argent. il Faut qu'il paye une partie de, ce, de, de son deal. Hein? C'est intéressant, c'est important. Donc, euh, oui, il va chercher cet argent-là dans le fonds de pension de son empire médiatique, dans le fonds de pension du Mirror Group. Euh, c'est soit 2,6 millions. Ah, c'est 2,6 milliards. J'ai mis un M majuscule pour milliards. Euh, donc 2,6 milliards de dollars de son fonds de pension pour payer l'entreprise euh, Macmillan Incorporated. Malgré euh, que euh, donc un an plus tard, son empire médiatique va s'effondrer, il aura accès au financement donc des Rothschild, des Solomon Brothers, de Goldman Sachs. Et de euh, tout leur réseau mafieux. Donc, euh, malgré que tous les deals, presque tous les deals ne fonctionnent pas, et, euh, presque tout finit en euh, euh, boom and bust. Là. Donc, tu, tu crois, tu achètes, tu endettes, tu fais faillite, tu recommences, euh, tu revends. Euh, tu, 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 si tu fais profit, tu gardes le profit. Si tu ne si fais pas de profit, tu, euh, ça devient une faillite. Euh, donc ça c'est les raideurs corporatistes qu'on appelle. Là. Donc malgré des deals qui finissent tout le temps en, en effondrement, euh, donc Robert Maxwell et les Rothschild vont avoir accès au financement de Wall Street après ce deal-là. Ensuite de ça, Robert Maxwell va acheter le New York Daily News vers 1991. Ghislaine Maxwell va obtenir un poste là sur les projets spéciaux. Robert Maxwell va fonder Maxwell Corporate Gifts, euh, donc les, les cadeaux corporatistes de Maxwell. Et Justine Maxwell va être euh, managing director, donc directeur de gestion. Euh. C'est quoi le but de cette entreprise là, Maxwell Corporate Gifts euh, C'est a business that applied long-term service awards for companies. Un business that, that supplied, pas applied, supplied. Un, un, un business qui fournit des services de prix long terme pour des compagnies. Selon les parents de Ghislaine euh, Maxwell, ses frères, sa famille, tout ça, ça a été fondé au milieu des années 80, mais on n'a pas d'archives publiques sur les activités de la compagnie. Une compagnie dont le but est de distribuer des prix, c'est ce qu'on appelle une compagnie de, dont le but est de distribuer des, euh, des enveloppes brunes. C'est une entreprise dont le but est de donner des cadeaux. Tu comprends? Si ton, leur but c'est de donner des cadeaux, le but c'est de corrompre du monde. C'est une, opé une, une opération d'influence dans la ville de New York. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à essayer d'acheter du monde. Euh, pour mousser sa présence, il embauche Robert Maxwell une équipe de relations publiques. Euh, donc il a, embauche deux sénateurs et un opérateur de long chemin mentionné dans le premier volume du livre. Il y a eu son chapitre à lui tout seul. C'est le euh, le bras droit du premier vrai président des États-Unis sous euh, Reagan, euh, Willy, William Bill Casey, c'est son bras droit à lui. Donc Robert Maxwell pour aider sa prise de New York euh, va embaucher deux sénateurs, le sénateur Howard Baker et le sénateur John Tower. John Tower, je l'ai mentionné dans le livre, euh, dans les podcasts plein de fois. Howard Baker, on va faire un focus sur lui. Et le troisième qui est embauché pour aider Robert Maxwell à New York, c'est Robert Keith Gray, donc qui a eu son chapitre, chapitre 5. Mais là, revenons à Howard Baker, le sénateur. Euh, vice-chairman comi du comité sur l'enquête du Watergate. Vous avez bien entendu l'enquête qui, qui a servi de cover-up euh, pour euh, la vraie histoire du Watergate. J'ai fait un podcast sur la vraie histoire du, du, du Watergate. C'est quoi la vraie histoire du Watergate? C'est trois choses. Un cover-up, un honeypot et une démolition contrôlée. C'est donc un honeypot. On avait des prostituées et une agence d'escorte. L'agence d'escorte avait dans ses calepins à peu près tout le monde chez les démocrates à Washington et euh, bien d'autres mondes, là, des diplomates, des lobbyistes, des corporatistes, tout ça. Et euh, donc, c'était une opération pour euh, capter la, la, les, 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 les politiciens corrompus. Ensuite de ça, tu peux faire du chantage avec ce honeypot-là. Ensuite de ça, c'était une démolition contrôlée contre euh, Richard, euh, Richard Nixon. Et euh, donc pour l'empêcher, pour le forcer à démissionner, parce que les personnes qui ont été prises dans l'opération de démolition contrôlée sont les plombiers de Richard Nixon, qui étaient en fait les opérateurs du futur vrai président des États-Unis en 1980, de, de, de directeur de la CIA, euh, William Bill Casey. Euh, et ensuite de ça, euh, pour cacher cette vraie histoire-là, il y a eu un cover-up euh, co au comité du Watergate. Donc, lui, c'était le vice-chairman. C'est lui qui a aidé à faire ce cover-up-là. Il est devenu... Pourquoi, je vous, euh, pourquoi on le sait qu'il a travaillé pour l'État profond à World Baker? Parce que quand la CIA a pris le pouvoir en 1980 avec Ronald Reagan, Howard Baker est devenu le Chief of Staff de Ronald Reagan après le scandale Iran-Contra. Euh, donc, euh, Howard Baker travaillait pour Will William Bill Casey, le vrai président des États-Unis. Howard Baker a aussi été partenaire d'affaires avec. Robert Maxwell, donc en 91, quand Robert Maxwell va le voir, il devient partenaire d'affaires pour une entreprise qui s'appelle New Star Expanding Investment Opportunities for Americans in the Former Soviet Union. Donc, une entreprise pour euh, corrompre des euh, politiciens, des gens influents américains. Donc tu viens dans mon entreprise et on va pouvoir piller ensemble l'ancienne union, Union soviétique. Euh, ce que euh, je vous ai déjà décrit, ça c'était une des opérations développées par Robert Maxwell. Ils appellent ça les transferts technologiques. Décrit par le cofondateur de New Star, Richard Jacobs, comme... An international Merchant Banking Investment and Advisory Company. Donc, New Star, c'était une, une opération de blanchiment d'argent, si on traduit ça en, en rochdien. Euh, Robert Maxwell est un... un, un il détient beaucoup d'actions de cette entreprise-là. Howard Baker et Robert, et Robert Maxwell tentent de recruter des anciens euh, top banquiers, législateurs américains, comme par exemple William Seidman, ils réussissent. Euh, Il paye des, euh, des propriétés soviétiques, des anciennes compagnies soviétiques. Richard Jacob a déjà travaillé avec un homme que j'ai mentionné dans euh, les podcasts, Armand Hammer. C'était son assistant. Quand Armand Hammer était VP chez Occidental Petroleum, ça, c'est un des gros, euh, grosses entreprises de pédrole, les oligarques américains. Armand Hammer va. avoir va, va, je, je, vous ai, je, je répète un peu l'histoire de Armand Hammer. Armand Hammer avait tenté d'acheter euh, Financial General Bank Chairs. Ça, c'était un complexe de banques. Euh, y avait très, quelque chose de très intéressant, c'était que les clients, c'était beaucoup de politiciens à Washington. Donc, le but de Armand Hammer, Hammer était d'acheter la banque qui détenait les euh, fiches de crédit des politiciens pour faire du chantage financier. financier. Ça n'a pas fonctionné. Pour le compte de qui Armand Hammer, Hammer a fait ça? Pour le compte des Soviétiques, parce que son père, Julius Hammer, Hammer était un ancien espion soviétique. Howard Baker, j'en ai parlé aussi au chapitre 9, il était sur le board de l'organisation euh, de l'événementiel de Hollywood, MCA, avec Lou Wasserman, Lou Wasserman qui était lié à la mafia. Donc ça, c'est le, le premier gars qui s'est associé avec Robert Maxwell pour l'aider à euh, infiltrer l'aristocratie nord-américaine. Euh, on découvre après que Howard Baker et l'autre sénateur, John Tower, sont des collègues au Sénat. Chapitre 9, Maxwell rencontre le sénateur Tower via qui Henry Kissinger, quelques années plus tôt, pour l'affaire liée au logiciel Promise. Donc, Howard Baker et, et sénateur John Towers sont euh, des collègues avec euh, un accès privilégié secret euh, dans le complexe militaire-industriel américain. Et en plus de ça, Maxwell avait déjà eu un lien avec euh, le sénateur Towers. Tower de manière indépendante pour l'aider à vendre le logiciel compromis, euh, chapitre 9, le logiciel promis, qui a été compromis par les Israéliens et la CIA. C'est l'ancêtre de Palantir, euh, l'histoire de Edward Snowden. Donc le sénateur Tower était déjà un asset de Robert Maxwell euh, et en, en plus de ça, en plus de l'histoire du logiciel promise, euh, le sénateur Tower était aussi acheté pour le, le scandale Iran-Contra, donc il recevait aussi des commissions pour la vente d'armement euh, avec les euh, milices narcotrafiquantes sud-américaines, Amérique centrale et le régime iranien. Robert Maxwell va... Donner un contrat d'édition à John Tower chez Pergamon Brassé, son sa compagnie d'édition, mais Tower mourra dans, euh, va mourir dans un accident, un accident euh, d'avion suspicieux quelques mois avant que euh, Robert Maxwell lui aussi meure en 1991. Donc il ne pourra pas profiter de tout ce bel argent-là très longtemps, le sénateur John Tower. La troisième personne qui a été embauchée par Robert Maxwell, c'est donc Robert Keith Gray. C'est une personne très clé parce que euh, ça permet de comprendre le plan de Robert Maxwell pour infiltrer New York. Euh, Robert Keith Gray, c'est un smooth operator, c'est un, un, un maître chanteur, un maître chanteur, un maître-espion. C'est un top exécutif dans sa firme de relations publiques. Euh, il a été lié à plusieurs campagnes politiques présidentielles très importantes. Il a des liens connus avec les agences de renseignement américaines. Euh, C'est le lieutenant, le second de, euh, du euh, vrai président des États-Unis, le directeur de la CIA, William Bill Casey, en 1981. Euh, parce qu'il n'est pas arrivé en 1980, il est arrivé en 1981. Euh, euh, Robert Keith Gray, lié au Watergate, au Korea Gate, au Page Boy Scandal, chapitre 5. Robert Keith Gray, c'est le gars qui gère les premières, les prototypes des opérations de trafic humain et de chantage politique sexuel. Donc, euh, Watergate, Korea Gate, Page Boy Scandal, c'est trois affaires dans la même affaire. C'est des prostituées, des jeunes hommes, des jeunes filles, des jeunes enfants qui sont donnés à des politiciens. On enregistre ça et on euh, fait du chantage ensuite de ça. Robert Keith Gray. A copié son modèle d'affaires à plusieurs endroits. Lui, il vient du Nebraska. Donc, il va faire la même chose au Nebraska. Le Franklin Scandal, chapitre 10. Euh, Robert Keith Gray, membre du George, Georgetown Club, avec les néoconservateurs qui sont euh, proches, par exemple, de Taiwan euh, et qui sont proches aussi du réseau, réseau évangéliste. Euh, Robert Keith Gray a travaillé avec Adnan Khashoggi au même moment où. Adnan Khashoggi embauche Jeffrey Epstein et Roy Kahn. Robert Maxwell va donc euh, être client de la firme de Robert Keith Gray en 88 HNK, la firme de relations publiques. Et ultimement autre euh, point d'accès pour Robert Maxwell, c'est le réseau de George H. W. Bush Senior, qui euh, est président des États-Unis à l'époque où Robert Maxwell tente d'entrer à New York. Au niveau du réseau des Bush, c'est pas clair comment euh, à quel point c'est un succès, euh, mais euh, on va euh, regarder, on va, on, va, on va en reparler. Plus tard, on a parlé au chapitre 12 de euh, Jeffrey Epstein lié au secrétaire d'État James Baker de euh, Au prochain chapitre, on va voir que ce fut plus facile avec les Clinton parce que la semaine prochaine, c'est ça qu'on va parler. On va parler de, des revers de l'administration, des deux administrations Clinton. Qu'est-ce qui s'est passé? Les vrais scandales des Clinton. Est-ce que Robert Maxwell a été visé comme John Tower par la gang de William Bill Casey, par euh, euh, Keith Gray? Est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils euh, étaient nationalistes sur ces gens-là et quand ils ont vu les Européens essayer de, euh, de rentrer à New York, à Wall Street, ils ont dit, on va mettre euh, un... un un bâton dans leur roue? Est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est le clan Bush qui était plus nationaliste et qui ont pas voulu... Euh, Est-ce que c'est d'autres acteurs qui ont voulu euh, mettre fin au règne de Robert Maxwell? On sait pas. Au même moment où Robert Maxwell cherche à devenir le roi de la cité de New York, il est courtisé par... Edgar Bronfman et Lawrence Tisch, euh, dont j'ai parlé au chapitre précédent. En 1991, on, on, on avait vu la fondation du Mega Group avec le Mega Mystère. Ça, c'est le groupe de sionistes révisionnistes qui ont voulu vendre le Project for a New American Century, vendre aux chrétiens les guerres israélites, euh, fondé par Leslie Wexner. Charles Bronfman, Lawrence Tisch. On va découvrir l'existence de ce Megagroup en 1998. Donc, ça a pris sept ans avant qu'on découvre l'existence là dans les médias. On apprend que Robert Maxwell est possiblement membre du Megagroup à l'époque où la première fois on en parle. Donc, peut-être que c'est la même opération. L'opération de Megagroup, l'opération de Robert Maxwell. L'opération des Rothschild, c'est la même opération. L'infiltration de la méga Corporation des États-Unis, des agences de renseignement de la CIA pour contrôler la présidence américaine. Et ils ont réussi. Donc, on peut très clairement donner une date au début de l'opération Honeypot Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell à New York 1900. 91. 19, 91. 1991. On peut donner comme hypothèse que c'est à l'initiative du Mega donc la milice, la, la cabale sioniste israélite qui a voulu vendre une série de guerres à la méga Corporation qu'on appelle les États-Unis d'Amérique et ça a fonctionné. 1991, c'est la date où on a décidé de faire à Bill Clinton euh, une opération, un piège, une embuscade, un honeypot, et c'est Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell qui ont débuté cette opération. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, euh, la version gratuite. Là, euh, on est rendu à 1h13. Le reste du podcast, c'est pour les abonnés payants seulement. C'est $5 par mois pour avoir accès à ce fabuleux, ce fabuleux contenu. Vous pouvez accéder à ça. Je me suis trompé de bannière. Deux petites secondes. Vous pouvez accéder à ce contenu via... Donc mon site web yannredi.com ou évidemment mon infolettre yannredi.substack.com. Quand vous vous abonnez un ou l'autre, que vous envoyez des dons via go ou par Virement Interact, dans tous les cas, je vais vous donner accès à mon site web. Et j'ai vu un certain monsieur chez LuxMedia, John Predmore. Vous vous étiez abonné sur mon Substack, mais j'avais donné accès à votre mauvais, accès, euh, votre mauvais courriel. Quand vous, vous m'avez envoyé un courriel la semaine passée, je vous ai, je vous ai donné accès. Donc euh, dans tous les cas. Le, euh, 5$ par mois, c'est un café par mois pour avoir accès à tout ce contenu-là. Je fais deux podcasts par semaine, minimum. Minimum! Euh, donc là, on est rendu.